اللهم صل على محمد سيد العرب والعجاب اللهم صل. Sous la bénédiction de Serigne Mamadou Makhtar Lai, Khalife général des Layènes, et de toute la famille de Sayyidina Limamoulay Al-Mahdi, nous voici en route vers le 143e appel de Sayyidina Limamoulay. Mambaylay, ambassadeur du Mahdi, vous reçoit dans le jardin du prophète Mohammed. Paix et salut sur lui. Le jardin du prophète est un regard sur l'héritage spirituel de Sayyidina Limamoulay, le prophète noir. Il est le fils de Mam Koumbandoy et de Mam Alassane Tchaoulay. Mam Baylay, ambassadeur du Mahdi, exhorte la jeunesse layène à la bonne conduite. Le layène montera au créneau à l'occasion de ce 143e anniversaire de l'appel historique de Sayyidina Limamoulay pour propager partout ses enseignements. Les chants et les poèmes légués par les anciens fleuriront dans le jardin du prophète. Ils vibreront au rythme des vagues océanes et des vents marins. Ils vibreront dans la cadence des bras balancés et dans l'innocence des bobos blancs. Préserver le legs de ceux qui nous ont précédés, c'est être dans le temps du Mahdi. Le 143e anniversaire de l'appel de Sayyidina Limamoulay est une occasion de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Le jardin du prophète est une série d'émissions de télévision avec des chants, des causeries, des visites sous la houlette du chanteur et poète layène Mam Baylay. C'est aussi rendre hommage aux devanciers tels Mam Malik Mbay, Baye Abdoulaye Silla, Baye Modou Mboup, pour ne citer que ceux-là. Before